Oh. Ah, pour l'instant, on voit encore. Peut-être pas falloir traîner, hein. 20 kilos. Oui, parce qu'il est quand même 21 h. On m'entend? Ouais, on t'entend. J'ai une erreur à cr... T'as mis ton plugin à jour? Il y a un nouveau plugin avec la Ouais, mémoire de la chaîne. visiblement pas, non. Le pire, c'est que ça fonctionne, donc... Ah, mais pourquoi ça me fout un truc rouge au Ouais, milieu ça de me le mon faisait écran? aussi quand je l'avais pas à jour, mais t'as juste à faire un Ça. copier-coller et relancer J'ai TS, pas... c'est rapide. J'ai pas besoin de relancer arme. Non. Non. Ok, alors je relance TS. Ok, je balance un tir à con. Ouais, vas-y, vas-y. En attendant Froggy. Putain, j'entends personne, c'est quoi cette merde? Mais tu nous entends pas? T'es sourd, c'est tout. Froggy, si tu nous entends, dis Ça fait boum, c'est pas une même tire. Sweden que. S'il a bien mis son plugin. Hop, je vais pousser un peu la standard distance. Vu que c'est une petite map. Bah, il suffit de la mettre à 2 km et on voit toute la carte de toute façon. Ouais. Elle est pas assez, elle est assez, elle est C'est pas assez allée assez stylé ça. loin. Ouais, au moins 3 contacts différents autour de la station. Pas que ça, rien. Ouais. Ok. Un super visuel d'ici. Ok, ça marche. C'est bien, on sait déjà qu'il y a du monde sur la station. T'as pu jeter un œil à l'est ou pas? Dans les champs là, tu veux dire? Ouais, vers la colline et tout ça, vers le truc. Ouais, plein est. Derrière les broussailles. Wilco, viens avec moi. C'est bon? Mieux? Oui. Je te suis, chef. C'est bon, on va monter là-haut, on va aller voir ce qu'il y a à l'ouest. Ah, mais il n'y a que toi qui as des NVG en fait. Ouais, pour l'instant, ouais. Si je meurs, récupère-les. Ok. Qui c'est qui prend le lead si tu meurs? C'est moi? Parfait. D'accord. C'est le plus gradé. On voit son petit entier, c'est trop marrant. Je suis joignable en radio. Et tu veux qu'on monte sur la colline? Non, négatif. Vous pouvez commencer à emprunter la route. Froggy peut nous rejoindre sur la colline qui est donc sur POV 1. Vous commencez à emprunter la route, on vous rejoint jusqu'à POV 2. Rien du tout. On va redescendre. Bien. Alors mettez vos strobes. C'est parfait, j'espère que t'as pas oublié la paire de NVG. T'es au courant qu'il y a l'IA qui te suit. Hein. Ah putain, oui, c'est vrai. Ouais, c'est parfait, j'ai la NVG, c'est bon. Merci Froggy. Qui s'appelle Wilco qui suit partout aussi. Elle y va cette conne? Elle y va pas? Bah alors, pourquoi elle y va pas? Ah voilà. Allez, on va y rejoindre. Donc vous êtes à l'Ironside tous les deux? À l'ancienne. Ok. Envoie-moi tu. Moi je me mets déjà en NVG parce que je suis un loser, donc prévenez-moi quand ça commence à être difficile pour moi, pour vous, pour voir. Espérant que les ennemis ont des NVG ou des lampes. Mais bon, pour le moment ça va encore vachement bien. Ça tombe, il nous a donné des véhicules vraiment pour qu'on évite la nuit.
On va se retrouver comme des cons. Possible. Oh, c'est pas très très grand, hein. Ouais, ça mais m'étonnerait si que ça la nuit, prenne c'est 2 heures. Vous payerez bien tous un coup à boire après. Écoute, Sparfell. Ouais. Tu peux être arrivé pas très loin de POV2. Est-ce que tu veux que je balance déjà le deuxième entier? À toi. Ouais, vas-y, on est un peu en arrière, on arrive. On est là. Quelqu'un qui arrive derrière nous, essayez de. Quelqu'un se met sur le chemin, parce que je crois qu'il y a Solène qui arrive derrière nous. Doudou, mets ta strobe. Non, il bouge pas. C'est Wiko là qui est là. Pardon? Non, bah. On est presque déjà arrivé. On va les esquiver. Du mouvement sur les bâtiments, mais c'est pas vraiment un scoop. Ok, je pense qu'on va prendre Azimut 110 et couper. On va ignorer India et Hotel, on va passer directement sur Kilo. Sauf si tu me dis, Sparfell, que tu vois quelque chose entre nous et Kilo. Alors, de quoi ils sont armés ces cons? Alors, qu'est-ce que tu vois, chef? Des mecs qui patrouillent sur la station. Tu veux la prendre d'assaut? Non. On va se faufiler comme des filous. Ouais, ils sont légèrement vêtus, légèrement armés. Après, ça reste un risque en plus pour l'hélicoptère si t'as une base avancée là où ils peuvent le descendre en passant. Ouais, tu dis ça, et je vois qu'il y a un pick-up sur le. Je vois qu'il y a un pick-up sur le. Sans parler de nettoyer à fond, ça. Ce serait une prise de risque en moins pour l'hélicoptère. Il y a un pick-up, mais j'arrive pas à voir s'il est armé avec toutes les branches. Si, il est armé. Il n'y a personne de dedans. On a lance-roquette. Vous tuez. Moi de vouloir tuer. Ok, changeons de programme. Sur India, il y a un pick-up avec une M2 qui pourrait entraver l'avancée de l'hélicoptère. Donc on va quand même passer par India et nettoyer le lot. J'ai repéré 4 hommes en patrouille en tout sur India. Personne n'est sur le pick-up actuellement. C'est quoi le pick-up là? Parce que maintenant j'ai des doutes. Pick-up jaune. Jaune? Ouais, jaune sous la station service. Ah, fait, oui, tu oui. Confirmes, t'as vu le pick-up jaune sous la station service? Ah non, il doit être pile sauf dans mon visuel vu que j'ai avec le NTR, je ne dois pas le voir. Mais j'ai rien vu de particulier à part ce que t'as signalé. Et un checkpoint inoccupé vers Kilo. Un checkpoint. Ok. Checkpoint. Un anglais parfait. Je vois, il y a un hélicoptère là-bas, hein. Non, c'est le entier en parachute. Ah non, je vois un hélicoptère. Ouais, il hein, y a un hélicoptère au-dessus du cratère. Au-dessus du cratère? Ouais, un AH-6 ou MH-6, un Little Bird, quoi. Bien, UV. Ok, aussi, on a un Little Bird non armé, avec rien dedans au-dessus du cratère. Ah, juste un pilote, quoi. C'est sûr que c'est pas le nôtre qui s'est trompé d'horreur. Il serait en train de se faire tirer dessus. Non, c'est pas qu'hélicoptère on a en fait, nous en plus hein, d'ailleurs. Ah, oui, il se met en mouvement. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Ok, je t'envoie faible, on y va là. On est sur la route côté de. Ah, t'as fait un rapport à la crise. Ouais, il va pas bien loin. Ouais. Écoute, j'ai rien, on a rien entendu. Ouais. Il y a pas de radio, en fait. Ok, bon. Ici, mais on t'a pas entendu. Ok, Sparfell.
Ouais, j'écoute. Vous allez avancer en ligne le plus discrètement possible vers le point, vers la station, vers le point India. Nous, on va contourner par la gauche, essayer de trouver une position de soutien, voire contourner par la gauche. Discrétion jusqu'à ce que vous ayez des bonnes opportunités d'engagement. Vous faites feu à ce moment-là sans attendre mon signal. Venez avec moi, les gars, on y va. Et je pense que je vais mettre dans le S entre POV2 et hôtel, il y aura un surplomb avec un petit couvert. Est-ce que tu as reçu ma com à propos du checkpoint 100 kilos? Ouais, c'est reçu. Par contre, tu m'as juste dit checkpoint, mais il y avait quoi dessus? J'ai pas entendu ça. En fait, c'est juste un roadblock, c'est un de quelques barrières mis en travers de la route, mais il n'y a pas de contact a priori dessus. Ok, reçu. Ah la vache, c'était vachement discret le NTR qui s'est posé à 5 mètres devant le pick-up. Hey, qu'est-ce que c'est? Oh, parachute! Oh, une caméra! Hello. C'est une bouteille de vodka en fait dans un petit coffret. C'est pour ça. Beaucoup de végétation basse là-dedans. Hein. Ouais. Je sais que vous avez pas de lunettes, mais prenez un couvert ici. C'est parfait, je vais mettre en position pour tirer dans. Je serai prêt d'ici 30 secondes. Ça va pour vous? Ça marche. Ensuite, tu saisis l'opportunité pour avoir le plus de victimes possible. Si Sweden s'est déconnecté, son IA risque pas de faire des massacres. Ah bah merde quoi, putain, on est 8 et on a autant de problèmes de connexion. Apparemment. Si vous avez les traçantes, passez aux traçantes. Ouais, on n'a pas de budget, chef. On a mis tout le budget dans vos JVN, vos jumelles et votre arme. C'est ça. C'est ça. Et votre lampe pour votre arme, pour tout. Si les ampoules, ça coûte cher. Nous, on a juste acheté. On a ramassé des AK par terre. Ce qui est forcément des AK par terre en Russie. C'est parfait. Ouais, j'écoute. T'as bien entendu, hein. Feu quand vous avez une opportunité. Ouais, c'est bien pris là, on vient juste d'arriver en position. On engage si on a des opportunités aussi après? Ouais, quand ils ont engagé, on engage ensuite. On va essayer de tenir leur flanc et de les couvrir. Such is life in the zone. Tu vois comme les mecs qui passent derrière le bâtiment là? Les mecs qui sont en 80, qui font des films en gauche-droite et qui passent derrière le bâtiment blanc. 80? On voit pas là. Pas depuis ma position. Disons que eux vont pas les voir. Parfait, on a une mitrailleuse lourde sur le toit de la station en pointant vers l'est. L'est. Ouh. Ouh, encore des surprises. Ok, alors impatiente. Est-ce que tu penses pouvoir la neutraliser même d'une grenade s'il faut? Ouais, je vais essayer de faire ça, on va voir, on va s'organiser. Ok, ça marche. Oubliez pas qu'on est sur votre flanc gauche, donc on aura un angle différent de vous pour pouvoir vous appuyer. Je sais pas où, mais moi je vois vraiment pas. Visu sur la mitrailleuse. Froggy, la mitrailleuse, elle est sur un toit, une visibilité 85. Ouais, je l'ai en joue moi. 85? Je devrais bien voir. Ouais, sur le bâtiment blanc. Ah oui. J'ai en visuel moi, je t'ai dit. C'était parfaitement à côté d'un buisson, ce qui fait qu'il y avait une contraste inexistant. Ah, je t'entends faible. Okay, on va engager. Ils vont engager, ouais. Pourtant, t'as visé en joue. Ah, on temporise encore un peu. C'est bizarre que je t'entende si peu. J'ai dit, je l'ai en joue. Ok, ça marche. S'il le rate, tu te charges de lui. Ouais, je vais essayer d'aller sur le côté gauche, j'ai vu deux hommes qui patrouillaient tout à l'heure. Ouais, exactement. D'ailleurs, il y en a un proche là. Ah bon? Avec un haut bleu, azimut 80. Ouais, il vient de tourner là. Bon, tu vois, dans toute cette zone là, il y en a qui patrouillent fréquemment Froggy. Mm-hmm. Et même d'autres qui vont derrière le bâtiment blanc. Mais ils sont à ce niveau-là, à cette distance-là, pas plus loin.
Ouais, je vois vraiment pas grand chose là pour le coup. Ouais. Ok. Je t'avoue que je tite un peu avec ma lunette, quoi. Mais. Ouh. Attends, il tire à quoi? Ok, on va avancer en tirailleur doucement vers le l'objectif là, vers Sur la la porte station. avant gauche, je pense qu'il va y avoir un mec qui va sortir parce qu'il y a une lampe torche qui s'active là. Exactement, il y a un mec que j'ai essayé d'avoir mais je l'ai pas eu. Il y a du monde dans le bâtiment, clairement. Ok, on va commencer à avancer chacun sur notre axe, ok? Faites attention aux tirailliers. Nous on va avancer en tirailleur. Êtes prêts les gars? Froggy, tu pars en avant? Ok. Sèche, tu fermeras. Ok. Parfait, on aurait des phares de véhicules loin nord-est, a priori en mouvement. Peut-être un technical ou autre. Reçu. Je fais un bon. Attention, je passe devant. J'avance Wilco. On a le pick-up qui revient vers la station là, sur nos 11h. Ok. Sur technique l'armée en approche. Oula. Reçu. Sur nos 11h apparemment chez nous. Il vient de passer la station. Voilà, il y a tout le pick-up. Voilà, nickel. Bon boulot. Continue. Ok, soudain, je vous entends, je rejoins quelle position? Je rejoins la position sud de India entre sur la route entre POV2 et hôtel. Reçu. Ça va les gars, vous êtes dans le coin? Yep. Ok, Foggy il est où? Ici. Ok. Sur ma droite. Foggy, tu vas faire un bond vers la palissade en métal là. Tu vas te mettre sur la droite de l'ouverture. Ok. Fais attention à toi. Chargé. Je vais avec tes arrières. Ok. Et de ce parfait, il y a quelqu'un qui s'avance vers la station qui n'a pas de strobière. Est-ce qu'il peut le mettre ou s'identifier? Strobière. Ouais, c'est Froggy. Mets ta strobe, Froggy. Tu le rejoins, Wilco? Yep. Enfin, on y va tous les deux, de toute façon. Je l'ai normalement là-dessus. Ouais, c'est bon. C'est bon. Deuxième véhicule en approche, pick-up armé, même axe depuis le nord-est. Ouais, couverture. Il y a pas mal de couverts à l'intérieur. Hein. Ouais. Ok, nous on a mis un pied dedans, on va prendre une découverte. Oula, il refonce dessus. Le tireur est mort visiblement. C'était quoi cette explosion de l'autre côté? Ouais. Je peux aller jeter un oeil dans le petit bâtiment là? Attends, 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 attends. On va attendre de voir s'ils ont besoin du médic. Sparfel, est-ce que vous êtes ok? Pas de perte? Sparfel, une perte, le mitrailleur. On s'est fait rusher, on n'a pas réussi à détruire le technical. Ok, essayez de récupérer son matériel et puis continuer à avancer sur votre plan. Ouais, Foggy, on va avancer. Ouais. Position sur le petit bâtiment, tu fais attention à ton flanc droit dans le bâtiment principal.
Il est vivant ou il est pas vivant? Bon, maintenant on est sûr. Tu peux prévenir? Je viens de faire une crise cardiaque. Ok, fais gaffe, il y a un pick-up sur ta gauche là. Est-ce qu'il y a un tireur ou pas? Non, non. Ok, nickel. Là par contre, il commence à faire nuit. Ok, on avance sur le bâtiment principal, c'est parfait. Froggy, avec moi. Ok, je vais arriver sur le bâtiment principal par le sud, moi. Par le sud-est en fait. Où ça, où ça, où ça? Il y avait, ici là. Ah ouais. Attention, il y avait de nombreuses lampes torches. Il y a des lampes torches hein, qui bougent dedans. Ouais. J'ai des grenades à main s'il faut. Ouais, reste à l'extérieur, on va balancer des grenades à main avant d'entrer. Prêt pour une grenade. Vas-y, et vise bien. Je balance. Tu veux que j'en lance une dans la remise? Ouais, si tu veux, ouais. Oula! Ok. N'hésite pas à jouer clair bon. Hein. Grenade. C'était bien dans le. Bon, allez, Froggy, on va investir. Tu passes derrière moi? Comme ça, si je meurs, je suis libéré de mes. Ok, traité. Elle est où la porte? C'est parfait, je m'avance jusqu'au carrefour hôtel. La porte elle est derrière le comptoir. Nickel. Comme ça tu peux essayer de contenir ce qui pourrait venir par l'est. Ok, ça a l'air clean. Sur le côté droit ça doit être clean, j'ai envoyé une grenade. Ok, comme regardez, je vais ouvrir à droite. À gauche. Merde! Ah! Heureusement qu'ils sont cons, putain, j'ai plus de balles! Y'a un mec! Ça va, coup? Ouais, heureusement qu'ils sont très très cons, hein, parce que je serais mort là. J'aurais eu le temps de mourir 15 fois. Froggy, ça va? Ouais, mais il voit rien non plus. Il est où, Froggy? Froggy? C'est pas moi qui l'ai tué. Putain, je l'ai tué, si! Non, c'est pas Froggy ça. Non. Ouf, j'ai eu peur. Froggy? Bah, il est où Froggy? Voilà, il y a un problème. Il est où Froggy? On va le trouver s'il est par terre, il faut qu'on. Il y a une lampe torche à coup? Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as pas de NVG toi. Non. Non. Putain, il est où? C'est pas lui que j'ai buté là-bas. Il est pas là? Non. C'est quoi ce bordel? Froggy, tu me reçois? Putain. Dans le bout de la remise là, va personne non plus. Dans le bout de la remise, il y a un mec, je l'ai buté, mais Froggy était derrière moi. Parfait, non. Tu me reçois toi? Parfait, ouais, je te reçois 505. Ok, j'ai pas de nouvelles de Froggy, il était derrière moi jusqu'à nouvel ordre, il a disparu, il y a des éléments surnaturels qui se passent. Je change d'arme, j'ai autorisation. Ouais, c'est quoi comme arme? Un SPAR 16. Ok. 556. T'as pas disparu dans un. Campement? Mais d'accord, ça c'est pas Froggy. Bah non, il a un casque de l'armée. Ouais. Froggy, tu me reçois? Oh, je vois sa strobe ici là. Merde! Il est là! Merde, merde, merde! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ici. Oh mais ça c'est... Mais non. Non c'est Froggy, si c'est Froggy. Mais on était au même endroit, on n'est pas mort. Bah il était derrière moi ouais. C'est la grenade que j'ai envoyée dans la remise, mais bon, j'étais au même endroit que toi. On n'a pas été blessés nous. Non mais quand on est rentré t'as pas lancé de grenade si? J'ai lancé une grenade dans la réserve derrière comme j'avais dit. Ouais mais après on est rentré par devant là. Mais après on est rentré par devant. Et Froggy me suivait.
Mais c'est quoi ce bordel? Faudra... Qu'est-ce qui s'est passé? Faudra lui demander parce que là je comprends pas. À coup de Sparfel. Ouais, à coup j'écoute. J'ai encore fait un petit un-tir là pour voir dans le cratère. Dans le cratère j'ai vu au moins 11 contacts à pied et une machine gun au centre du cratère faisant face vers l'ouest. Ouais. Ok, on arrive vers vous, on a trouvé le cadavre de Froggy, il est décédé. Putain, je sais pas ce qui s'est passé là. Alors là j'ai rien compris. Ouais, de toute façon il était en ragdoll, il est mort. Ilko, tu viens? Ami. Ouais. Wow. À coup? Ouais. Sur le cratère, je sais pas si l'axe par la petite alvègue est une bonne idée parce que à la sortie il y a beaucoup de buissons. Tandis que par l'immatière, il y a moins de buissons sur le bord du cratère. Ce qui nous permettra d'avoir un assez bon visuel. Je sais pas. À voir. Lima, en fait, le petit boss Lima est plein de petits buissons. Ok. Et j'ai pas vu de mec en dehors du cratère, mais bon, j'ai pas un super visuel avec le tir non plus. Alors on va monter sur la colline Limatière, alors c'est celle qui est vers le sang, le sang là, ouais. Ouais. Ouais, les patrouilles étaient au fond du cratère, une de 3, une de 4, une de 1. Non, ouais, 2 de 3, une de 4, une de 1. Et elles se baladent dans le cratère, il y en a peut-être qu'elles vont sortir, je sais pas. Ok. Pour info, j'ai 2 grenades, chef. Bon, on a déjà perdu 2 mecs. Dont 1, on ne sait pas comment. Ouais. Bon, Surfell, tu prends la tête, tu nous emmènes sur la colline en 100. 105, là. En 105. Ah oui, non, c'est beaucoup plus loin, ça. Non, je pense que c'est plutôt 90, hein. Ouais. Ouais, ouais, ok. Bon, en 90, hein. Ouais. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais. Et on y va à Chevron comme tout à l'heure, les mecs. Ouais, le cratère il est tout près en fait. Vous éloignez pas trop à coup parce qu'on risque de faire du friendly fire sinon. Ouais. On y va. Ouais, on va essayer. Je vois plus rien. Oh, il y a des lampes torches derrière. Allez, il y a des ennemis derrière sur la station. Allez, feu à volonté. Encore. Aïe. C'est bon? Personne n'a pris de shrapnel? C'est bon. On va faire ça en perroquet. On avance avec Wilco. Ok. Allez, go go go. Heureusement qu'ils sont assez cons pour garder leur lampe torche allumée. Ok, c'est parfait, allez-y. Et encore une lampe torche là-bas sur le sud-ouest 230. Pas de visu sur les mecs en question. Allez, on sprint. Il en reste un au sud là-bas. Ouais. Du contact en limite de cratère azimut 100. Je m'arrête bientôt. Ok, nombre et latitude. Environ 5-6 contacts altitude en alerte mais déplacement lent. Ok, on va vous rejoindre, on va essayer de les neutraliser. Je vais essayer d'engager, est-ce que à la grenade je peux faire un carton là? Ah ouais, vas-y alors, on vous rejoint. Tiens Wilco. Ouais. On peut tirer d'ici sinon. Ouais, faut pas se tromper d'ennemis hein. Bon, avance, avance. Ils sont en train de traiter de toute façon. Ouais.
On est avec vous. Ah, ça éclaire encore. Il y a une lampe derrière nous. Ouais, ok, Wilco. Ouais, on traite les ennemis derrière, Wilco. Doré sur l'avant, laisse ça à coup et. Ok, Sweden, reste sur l'avant. Lumière sud. Ouais. Est. Il y a encore de la lumière. Putain, les mecs, ils sont où? Trop de buissons. Ok, Doudou, Sweden, on va avancer. Accroupir un mot. Ou debout un mot plutôt. Merde. Allez, chargeur d'AK-12 en rab, Sweden, dans ton sac. Wilco tu vois le mec? Négatif. Ok, il est azimut 170. Ah ok, je le vois. Ah, je sais, c'est... je suis à la NVG donc c'est plus facile pour moi. Je le vois pas. Il est derrière des buissons. En fait, j'ai une parfait, j'ai avancé d'une cinquantaine de mètres. Je continue d'avancer vers le cratère, il y a encore du contact sur l'avant. On va grenader en arrivant vers là où il y a la lumière. Ouais, allez-y. Ah, ça va piquer derrière nous. Wilco ? Wilco ! Ami. Ok, c'est toi qui tirais là ? Ouais, c'est moi, ouais. Je l'ai tué. Ok, nickel. Frag ! Il y a encore un mec sur l'azimut 210. Derrière les buissons. Ouais, je vois pas. Tu feras attention, tu me diras combien il te reste de frag 40 mm parfait. À 40 mm 0. Ok, d'ac. J'ai balancé un petit anti-air au-dessus du cratère le temps que t'arrives. Ouais, on est dans vos traces là. Allez viens, on monte un petit peu. Oh, j'en ai. Oula. Ah ouais, c'est vous avec vos lampes torches. Ok, il y a des lampes torches qui se baladent à l'eau. Oh putain, attends, je comprends rien là. L'un derrière nous, sud-ouest, il y en a une. Ouais. Sinon, éteignez vos lampes torches, je vais. Vous avez vos lampes torches allumées, les mecs, ou pas? Ouais. Ah oui, ils les ont allumées, ouais. Sud-ouest, sud-ouest. Il y a un mec dans notre dos, mais il nous a pas vu. Toi dans le dos, ouais. Ça tire là. On avance lentement, on se met tous en ligne, de toute façon on est 5. Essayez d'éteindre vos lampes torches, je vous avertirai si je vois quelque chose. Restez un peu droit devant, droit devant. Hein? Droit devant, lampe torche. Putain, mais. Grenade. Ah, parce que t'es tout seul. Ah non, il y a Wilco aussi. Ok, j'avance. Non, attends. Non, ah, grenade. Ah. Allongez-vous. Oh putain, je me suis allongé mais j'en ai pris une. Non, ça va. Attends, viens là. C'est bon. Mais... on va faire un arc de cercle sur la gauche, Sweden. Vas-y, pars okay. Devant, Sweden. Allez-y, les gars, on reste en. Ouais, on va avoir vie droit sur lui. Toujours des frags. Hein. Non, pas de frags. Ils font chier avec leur putain de lampe torche là. Sur la gauche. Enfin, non, c'est bien parce qu'on les voit. C'est pas évident hein, pour nous parce qu'ils vont pas de NVG. Ouais, je devrais me mettre dans les mêmes situations que vous pour éviter de vous donner. Non, au contraire, c'est toi qui. Qui vois où c'est. Ok, on fait face au cratère. Je retire en arrière, attention. Ah, si, je dois saigner un tout petit peu du bras gauche. Ah non. J'ai de la douleur. Ah. Ah, j'ai une contusion moyenne au crâne, c'est tout. Tu pourras t'en sortir pour l'instant? Ouais. Et là, j'ai de sonné. Bah, c'est une contusion, de toute façon. À part me mettre du ketoum, je sais pas ce que tu vas faire. Engagez dans le cratère. Ok, viens, remonte avec eux. On arrive. Ah ouais, tu dois rien voir là du tout. Réplique. Il y a des couleurs si jamais on prend des tirs.
Ouais, je sais pas si les tentes sont pas blindées là. Ah non. Ok, il y en a un dans la tente principale sur la droite. Prototype en visuel, des mecs sur la gauche du cratère. Putain, j'ai les jumps. À droite, vous y avez un petit caillou si vous voulez. Un petit coup d'œil. Regarde un petit peu sur les flancs, Wilco. Je vais regarder derrière surtout. Ouais. Les flancs et derrière si tu peux, s'il te plaît. On a une. On a une flare verte derrière nous avec au moins un homme. Ok, je viens avec toi. Elle est où ta flare? Laisse-toi, laisse-toi. Bah elle était au niveau de là où ça clignote. C'est envoyé que ça de toute façon. Ok. Donc sur le barrage quoi. Tiens, on voit une autre. Ah ouais, ok. Bien blanche celle-là. Sparfall, c'est vous qui balancez des flares, non? Le truc qui tombe là c'est moins un tir. Mais sinon je le reste pas. Ok, parce que nous en arrière sur nos 6 heures on a des flares. C'est vu, ouais, je suis passé sur la surveillance sur ce côté-là. Doudou à terre. Oh merde. Ah, j'ai pas vu. Côté qui a dû l'avoir. Franchement. Tu l'as vu? Putain, ils font chier à se balader entre les buissons. Arrêtez! Merde. Je crois que tu l'as eu. Non. Là je l'ai eu. Ok, bah c'est du bon boulot, nickel. T'en as un qui se balade là sur la tête. Jumelle, tu peux les rejoindre les autres pour les appuyer peut-être et voir s'ils vont bien. Ouais. Si t'as vu la traçante. Ouais. Ah, tu veux peut-être choper. J'ai perdu Doudou. Hein. Ah, il est mort. Ouais. Bon. On va descendre dans le ravin. Ah oh, putain, il y a encore un mec. Il y a encore deux mecs sur la gauche là. Attends. Préviens quand tu fais. Ouais, mais si tu fais un fail justement encore pire. Vous allez descendre ou on descend? Ouais, on va descendre doucement parce qu'il y a il y a un mec derrière le prototype et il y a un mec dans la tente sur la droite. Je sais pas si vous les voyez d'ici. Ah ouais. Ah, je crois que ces tentes on peut pas tirer à travers. Ah non, c'est juste des gyrophares en fait, c'est ça hein. Non, dans la tente, il y en a un. Attends, je regarde à la jumelle. Ah, il y a peut-être des mecs dans la tente à mon avis. Ouais, dans la tente, il y a deux mecs. Faudra qu'on aide. Il y a deux mecs dans la tente. Laisse tomber, ça passe pas à travers la tente. Ouais, je sais. Ah bon? Ouais, ça passe pas. Elle est blindée la tente. Ouais, c'est ça. Il y a deux mecs dans la tente et c'est tout ce que je vois. Allez, on descend en ligne. Je vois plus personne. Il les couvre, si jamais ça tire. Bah, on va essayer de rester à portée de voix régulièrement. Allez, on descend. On descend. Ah, éteins ta lumière, c'est bon, je vois ton pseudo, à coup je peux te suivre. Non, c'est pas RP. Mais si, c'est comme si on avait une corde accrochée. Garde pareil. Tes mains sur mes fesses. Ah oui. Bon, concentration, il en reste deux dans la tente. Ouais. Ah, on va les traiter à la grue. Je vais pas lancer de grenade dans le noir. Hein. Bah, je le ferai. Ça suit? Ouais, je suis là.
Je vais me charger des lancers de grenades avec l'NVG. Ouais, ok. Éloignez-vous. À votre avis, à ton avis, c'est parfait, les shrapnels passent à travers la tente ou c'est sécure? J'en sais rien. Essayez de vous allonger au moins, quoi. Parfois il y a encore un mec en bordure de cratère côté je dirais côté nord-ouest la louche. Ok, vous occupez des alentours. Alors, pourquoi il me sert mes jumelles là? C'est vous qui avez tiré là? Affirme, on en a un. Au 03. Ok, frag. Ok, j'ai pris, mais ça va. Je me mets un garrot, faudra que tu me fasses un bandage à la jambe. Ok, je crois que j'ai tout détruit. Je m'accroupis. Il me reste deux anti-air, je vais en balancer un vers la station pour vérifier qu'il n'y a pas encore des mecs qui se sont mis en position avec des trucs lourds pour engager l'hélico. Bonne initiative. Qui s'est affaissé. Elles sont quelques brouillards qui se lèvent. Finalement, elles sont pas si indestructibles ces tentes. Tu peux enlever ton garrot. Ok, merci. J'ai un peu de morphine. Bon, ça va aller, merci. Si j'ai mal, je te le demanderai, mais pour l'instant, ça va. Il faut appeler l'hélico maintenant, c'est ça? Bah attends, il va s'assurer que le chemin pour l'hélico est sécure, et puis on va appeler l'hélico. C'est quoi cette lampe? Tu peux l'éteindre? Ou pas? Je sais pas, non, mais si on tire dessus, je sais pas si ça marche. Essaye. Non. Ok. On va essayer de rester en plein milieu quand même. Mais regarde. Eh, hey, il a la jambe en l'air, il fait du fitness. Alors, est-ce qu'il y a du matos à récupérer? Hésite pas, c'est parfait, à récupérer des 40 mm sur les cadavres des ennemis. Alors je sais pas du tout où il y a des mecs avec des 40 mm. Non. Ok, alors quand tu reviendras au fond du cratère, tu verras, il y a un grenadier avec un sac et des 40 mm. Je vais t'en prendre quelques-unes, mais tu pourras le finir. Ok, parce que tu veux descendre, c'est ça? Ouais, non, t'as raison, reste. T'es où? T'es là-haut? T'es sur le bord du cratère? Reste là-haut, ouais. Je peux la prendre, moi, si tu veux. Bah, je suis con, j'aurais dû prendre son sac. Bah, ouais. Ouais, bah, vas-y. Je vais te les mettre dans ton sac. Tu veux que je prenne le sac? Ah, je vais te les mettre dans ton sac direct. Il y a de la glace. Ouais. Bon. Bah, de place pour mettre 4 grenades. C'est pas mal. Ok, je vais appeler l'hélico, Sparfell, si tu me dis que c'est clair. J'ai rien vu, mais bon, en fait, avec le vent et puis la portée du Huntier, j'ai pas pu vraiment bien vérifier. Allez, YOLO, on va partir du principe que c'est bon. Il y a toujours un mec côté nord-est du cratère, je vais essayer de le localiser et le détruire. Oh putain, c'est quoi cette arme? C'est un M14. Non? Non, mais il a des missiles dans son sac. Missile RPG 40. Pas que ça pouvait tenir dans un sac ça. Ok, on a les copains qui sont sur le 300. Là, tu vois, défilant droit, en haut de la bordure.
D'accord. Tire pas dessus, c'est des gentils. Et pourquoi est-ce qu'ils me veulent du mal? Parce que t'es une gentille. Pourquoi moi? Non, c'est l'inverse. Dans des positions bizarres, les gens qui sont morts. T'en as un qui lève une jambe, à côté de l'autre tente, t'en as un qui a les deux pieds en l'air. Tant qu'ils sont morts, moi ça me va. Ok, hélico, on approche. Un petit repack. Oh, vite fait, bien fait. Je me suis relocalisé sur le nord-ouest du cratère. T'es bien reçu. Ok, feu sur nous depuis le nord. Nickel. Bon, il est traité, il est traité. Bien joué les gars. Bien, on va s'éloigner un peu de la lumière. Parce que là on a l'air d'être comme des gros cons bien vulnérables. Parce que le pilote c'est un PGM parce qu'il va réussir à mitrailler de nuit dans un cratère quoi. Et on a des lumières, probablement lampe torche qui arrivent par le sud, on va se redéplacer vers le plus vers le sud-ouest. On peut remonter en haut du cratère aussi à terme ou quoi? Alors on va attendre. Aucune idée, je pense qu'ils sont au niveau du pont qui passe les tranchées là. Ok, bien vu. Alors on va attendre qu'ils aient extrait la. Ensuite on repartira par où on est venu. Allez hop. Correction, il y a peut-être pas de contact en fait, c'est peut-être les cônes qu'on a vu depuis un autre angle. Pour l'instant j'ai plus de visuel sur eux. Allez, j'ai jamais vu un hélicoptère faire un nettoyage aussi rapide, pourtant j'en vois tous les jours. Ah parce qu'il faut quelqu'un pour attacher les cordes. Ah bah là il est arrivé, la corde s'est déployée, s'est barré, il a même pas fait un sur place quoi. C'est le futur mec, c'est le futur. Ah non mais je suis fan, faudra que je montre ça aux collègues. Ok. Je vais lui ouvrir sa petite mission et regarder comment il a fait ça. C'est intéressant. Jeter un petit coup d'œil. Oh, mais ça va. Ouais, c'est clair. Ouais, confirmé, c'était bien un barrage après le pont. On vous rejoint, vous pouvez commencer peut-être à éclairer le chemin vers... on va couper, on va pas passer par hôtel, on va essayer de rejoindre directement POV 2, ok? Ok, bien pris. On va vous rattraper. Avec moi, Wilco? Ouais. Ok. Ok, pour info, on est à 200 mètres à votre sud-est. Après. Le souci, c'est quand t'es dans le noir complet, en fait, je te vois bien là, qui se découpe sur le ciel, mais sinon, c'est pas évident. Ouais, je veux bien te croire. À la rigueur, bah, passe devant moi, je vais te guider, comme ça, moi, je te suivrai plus facilement. Je les vois, les lumières, là-bas. Voilà, bah, on rejoint les lumières. J'espère qu'il n'y a pas de mine par terre parce que je pourrais pas les voir. Bon, faut qu'on pose la question à Froggy parce que là j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas compris non plus. J'ai pas compris non plus. Bah, je pense que c'est ma grenade qui l'a tué à travers le mur à mon avis. Je suis désolé pour Doudou et je crois que ça doit être Mystery. C'est Mystery qui est mort aussi. Ouais, c'est Mystery qui est mort sur le premier assaut et Doudou sur le second. Et Froggy qui est mort. Putain, Froggy, il faudra que tu nous expliques. On a bientôt fini. Reste. Il faut c'est un petit départ, une fois que tu arrives au niveau de la route pour voir s'il n'y a pas quelque chose devant nous. Et puis.
tombe bien parce que j'ai mon équipier qui est épuisé. Pop. Ok, nickel, on tient les flancs Wilco. Ah bah, okay. Tu vas bien tout s'organiser ici. T'as pas eu de perte? Vous êtes toujours deux. Ok. La station. Oui, sur la station, c'est un. Pas de lampe 2. On l'a vu, ça doit être clean. Hein. Juste vers les voitures qu'on soit pas attendu. Ça a pas l'air, mais on passe pas bien jusque là-bas. Okay, ouais, bon, je vois rien de toute façon. Si t'as pas de lampe torche, je les verrai pas de toute façon. Je les verrai moi aussi, il faut. Ouais, enfin, je veux dire au one tier. Ok, ouais, ça marche. Ouais, c'est. C'est bon, ça donne. Ouais, je vais prendre notre grenade, on sait jamais. Ouais, c'est dans le sac. Pareil pour moi, j'en ai dans mon sac si t'as besoin. C'est réparti la charge, c'est tellement lourd. Soden, tu veux pas que je te prenne des trucs? T'es lourd? C'est partout ça d'inutile, Soden, ce que t'as looté un peu partout attends, là. Attends, je vais le débarrasser. J'ai rien looté, j'étais porte-munitions. T'as combien de kilos? Tu me prends pour un charclat ou quoi? 38. Complètement. 32. Ok, bah on fera avec. Allez hop, go. On y va. Ouais, 32 c'est chaud quoi. Vas-y Soden, il est parti. Laisse ton arme. Hop, nickel. J'ai une game light si vous voulez, je peux la mettre sur mon canon comme ça vous me suivez. Ce serait plutôt Sparfell de faire ça. T'as une game light Sparfell? J'ai une strobe moi. Négatif, j'ai que la strobe hier. Ouais bah ouais, on a des strobes. Mais t'as même pas mis la tienne Wilco. Mais je sais pas, j'y viens. Bah ouais, mais moi je te vois, après je sais endroit. Où t'es. Visuel. Azimuth 310. Sparfell à terre. Azimuth 310. Sniper, sniper! Bouge pas trop, bouge pas trop! Putain, je le vois vraiment pas le mec! T'as vu ses départs de coups? Affirmative, c'est dans la lumière 310, 311. Pas des morts? Il est mort. Il est vivant? Mort, mort! Ah putain! Allez les mecs, on dégage! Fumi! Ça me suit, ça suit. Ok, allumez pas vos lampes hein, les gars, c'est pas le moment. Allez, allez, on dégage, on dégage, on dégage. Plein ouest. Allez, hop, 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 hop. Je vais plus pouvoir courir longtemps. Ok, tu vas t'arrêter quand je te le dirai. Parce qu'on a des ennemis sur notre arrière. Continue, 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 continue. On va se mettre à couvert d'abord. Je peux courir. Ici, tu t'allonges. Je peux courir. Ici, ici, ici. Viens sur ma position ici et tu t'allonges. On va te couvrir avec Wilco. C'est le dernier qui restait qu'on a pas eu tout à l'heure. Là. Il s'est fait. Tout autour de la station. Ouais, je sais pas. Mais il s'est fait one shot Sparfell, c'est un truc de ouf quoi. Ouais, il était bon le sniper de l'autre côté. Ça arrive un peu trop souvent ça quand même. Là il y a un mec, donc vous voyez Azimuth 30. On va essayer de se faire discret se barrer. Mais ça c'est les lampes torches avec tout ce qui me reste. Ça c'est les lampes torches. Hein. T'allumes une lampe torche et puis. Je te vois sans chargeur. À coup. Je te vois sans chargeur à coup. Ah, c'est bien possible parce que tout à l'heure j'ai repaqué. Ah, j'aurais dû tirer, j'aurais été comme un con, tu vois. C'est la masse de smoke, je sais pas comment foutre. Ah, lâche ton sac, on se casse. On se casse. C'est bon? Allez, hop, YOLO. Allez, venez, on se casse. De toute façon, là, actuellement, on est en 006-010.
Il faut se casser bah, faut prendre la route qui est là-haut. Ouais, c'est ça, on suit la route sud-sud-est. Azimut 230. Putain, cette perte! Bordel! S'en fout, on a le prototype! Ouais, enfin bon. Ouais, ça fait beaucoup de pertes, je sais. Bah, il y en a plusieurs qu'on s'explique pas beaucoup quand même. Ouais. Il y en a une vraiment mystérieuse, mais c'est un endroit mystérieux, donc c'est possible que ça explique les choses. Pourquoi ils sont allés cacher leur prototype dans un trou, c'est con. Mystère. Bah, Mystery, il est mort en combat, Doudou, il est mort en combat, et Spurfell, il est mort en combat aussi, finalement. Mais il a pas dû comprendre ce qui lui arrivait, Spurfell. Tu sais, il a dû allumer sa lampe torche une demi-seconde et l'ennemi l'a vu, quoi. C'est un peu comme un film d'horreur, parce que quand j'ai rallumé la lumière, il était par terre en sang. Ouais. Ok, 100 mètres. 150. Si je fais Pythagore. Tant que tu me fais pas des séries de fourriers de tête, c'est bon. Hein? Tant que tu me fais pas des séries de fourriers de tête, c'est bon. Ouais, je sais même pas ce que c'est. On parle de Pythagore. Ça risque pas d'arriver. J'ai pas fait ça en classe, moi. Puis j'étais une grosse merde en maths. Pas en géométrie après. Ah, c'est comme tout. Ah, attends. Oh putain, déjà? Je sais pas où il est. Est faible. Plus gros surtout. Putain de mec obèse. Mais t'as combien de kilos là toi? Continue en marchant. Cette merde, je suis encore à 26. Ouais, je suis à 26 aussi. Hein. On est presque arrivé là, on y est. C'est sûr que t'avais pas l'arme baissée ou levée? Non. Allez, 50 mètres Sweden, 50 mètres là. Allez! T'inquiète pas, y a des donuts en arrière. Oh, je crois qu'il n'y a plus rien dans la voiture. C'est-à-dire qu'il va falloir pisser dans le réservoir pour pouvoir avancer, c'est ça? J'ai déjà fait le parcours du combattant en vrai cette semaine, j'ai pas envie de le refaire virtuellement. Là. Mais quelle idée de faire le parcours du combattant aussi? En vrai en plus. C'était évalué, hein. Tu crois que je l'ai fait par plaisir? Bah ouais, si c'est pour ton job, t'es obligé. Elle a aussi été évaluée, hein. Qu'est-ce que tu crois? Un coup il met des notes et si tu le corromps pas, bah t'auras pas une bonne note. Allez, ils sont là les pick-up. Bah, c'est bien, tu les vois toi. Eh, on les a dépassés. C'est pas des pick-up en plus, c'est vrai. Bah, normal, on a un chef avec des jumelles qui sont bonnes pour la révision. Ouais, c'est vrai que j'ai des JVN, mais putain, c'est vrai que vous avez fait la mission sans JVN, ça devait être trop galère. Non, ça va, c'est plutôt sympa en fait. J'ai piqué celle de Sforfell à la fin. Ah, le tricheur! Genre, celle de la triche. Je vais pas laisser ces lunettes qui nous ont valu tout notre budget quand même.